Le programme VIF est complètement centré sur la prévention santé et la prévention de l'obésité chez l'enfant, parce que l'enfant, c'est l'adulte en devenir, et on sait que c'est en s'intéressant à l'enfant qu'on va être plus efficace, parce qu'on acquiert des habitudes de vie dès l'enfance qu'on va perpétrer en fait tout au long de sa vie. Le gouvernement aujourd'hui a décidé de mettre l'enjeu en effet sur la prévention santé. C'est une opportunité extraordinaire, mais cette opportunité chez Vivons en Forme, elle est aussi celle de s'adresser aux populations défavorisées. Et le rapport IGAS sur le PNNS a montré qu'il était vraiment nécessaire de se préoccuper des populations défavorisées. Et donc, je pense qu'il va falloir continuer, accentuer l'action pour aider vraiment ceux qui en ont besoin et amener ces familles à pouvoir accéder, grâce à leur environnement stimulant, à de bonnes pratiques de vie et dès le plus jeune âge pour leurs enfants.